Conformément aux valeurs de partage et de solidarité de notre parti, le Mouvement national des femmes de l'URD a une fois de plus offert des repas aux démunis et aux personnes nécessiteuses dans les quartiers de la commune 3 du district de Bamako. Les lieux ciblés étaient la maison d'arrêt de Bamako, l'hôpital du Pongé, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie et quelques mosquées de Tomikorobou. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, nous saluons vraiment cette initiative-là, qui consiste à donner, n'est-ce pas, pendant les ruptures, pendant le mois de Ramadan, à donner à manger, n'est-ce pas, aux étudiants qui sont dans les campus. L'initiative est vraiment à saluer, vu que les étudiants qui résident dans les campus vivent dans des conditions vraiment difficiles. On trouve même parmi les étudiants qui peuvent refuser, n'est-ce pas, de jeûner, parce qu'ils n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de faire les ruptures. Donc si nous avons des partenaires, n'est-ce pas, des parties, n'est-ce pas, qui nous aident à faire cette activité-là, vraiment cette initiative vraiment à saluer. Nous remercions les femmes de l'URD pour cette initiative-là. Qu'Allah fasse que cela soit une continuité, que cela soit une continuité dans le Ramadan et même en dehors du Ramadan, qu'elle pense, n'est-ce pas, à donner aux gens à manger. Parce que quand on n'a pas à manger, on ne peut rien faire de bien. Vraiment, nous sommes contents de cette initiative-là. Elle est très bonne. C'est le mois de Ramadan et nous savons que le mois de Ramadan est un mois béni, mois de partage. Donc on a pensé à nos jeunes qui quittent les régions et il y a d'autres qui n'ont même pas de parents ici, donc il faut qu'on partage avec eux. Nous avons la faculté de médecine et d'odontostomatologie, l'hôpital du Pongé, la grande prison et puis quelques mosquées de la commune. Salama, 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 salama.